Président, où est-ce que rendez-vous? Moi, là, on va répondre. Oui, bah oui, ma paix, oui. Un texte ou? Non, moi, là, un texte ou? Ok, pas de problème. Comment va la brasseur là? Bon, nous venons faire ça, nous venons faire. Nous venons faire une petite musique nous, pour nous. Ils ont invité nous, son honneur pour nous et son plaisir tout, ou honneur parce que. Et pas dans tout festival que vous obligez là. Donc là, on pense à vous, ça fait plaisir, et vous venez là, et avec toute volonté pour délivrer vos mounio. Comment, ouais, nous ne pouvons pas parler de suite, Mickey là, parce que nous avons la musique haïtienne, parce que vous avez joué la musique, vous contribuez dans l'histoire de la musique là. On activité comme ça, dans une phrase qui mettait moun dehors, qui crée un dynamisme dans le secteur. Comment, ouais, ça? Bon, c'est une raison que fait là. Je vais bien venir parler, bah, privé nous là, mais nous voilà pourquoi, parce que. Assoir nous là pour love pour production yo. Ziggy Zag c'est pas nous, équipe là c'est pas nous. Et le fini, nous là tout pour aider promote pour événement culturel qui supposé prendre ampleur chaque année. Et nous pour ça, nous voulons ça. Et vraiment c'est qu'on parle, donc nous avons toujours deux vents pour combattre. Mais en plus de ça, n'importe quel événement culturel qui est. Même si c'est Kassab qui devient pour contre lui. Même si c'est Charles Aznavour qui est venu, nous avons toujours grimpé d'elle, nous sommes artistes et nous connaissons que dans la diversité d'où, pour apprendre, pour comprendre. Ouais. Donc nous-mêmes, nous avons une équipe pour nous apprendre pour nous, oui. Ça va bon, ça va bon, ça va bon. D'ailleurs, même dans ça pas bon, on apprend. Ouais. Et ça fait qu'il y a deux grands philosophes qui ne doivent pas perdre. C'est soit vous gagnez, soit vous apprenez. Ça veut dire apprendre, c'est leur perdu, mais apprendre. Il y a des gens qui ont perdu, il y a des gens qui sont là pour parler tintin seulement. Et mon gars parlait de nous-mêmes nous là parce qu'un événement comme ça haïtien en général doit supporter tout le monde qui c'est artiste ou bien écrivain n'importe des pour dans domaine culture ou doit promouvoir ou bien participer dans promotion un événement comme ça et ça fait nous là. Alors moi même ça me ça intéresse dans bagage ça et à faire toujours là tout nous veut que j'ai l'activité ça crée un dynamisme et mettez jeunesse là beaucoup plus proche musique là. Parce que la musique n'a pas qu'à vivre sans majorité. Parce que si la majorité n'a pas qu'à consommer la musique qui est plus populaire, donc les jeunes sont écartés, ils n'ont pas qu'à activité ça. Nous n'avons pas qu'à balle 50 dollars tellement. Parce que nous avons un problème économique. 500 gouttes facilitent la majorité à venir prendre plaisir. Et nous avons besoin de plus de choses comme ça. C'est sûr, pas plus de que la nature a eu du vide. Si vous n'avez pas de combat, vous n'avez pas de choses. Vous avez un festival reggae et vous avez fait des choses. Et vous-même, vous avez saisi. Et ça, c'est en 88. Qui te permettre explosion sur le Mickey. En 88, c'est un paquet de jazz, ténor qui t'a pris frappe. Que le ska, chaque dégrasé, tabou, combo, DP Express, Scorpio, et puis Kassab lui-même, entré sur le marché avec un maladao, avec Zouk là. Et puis Haïtien, c'est Kassab qui t'a attendu net, attendu Zouk avant de nous. Donc, le sweet Mickey vient barrer avec un petit son différent et qui était évidemment Haïtien. Nous venons attacher à Soutmigui, mais Soutmigui est un peu moins de show, il a fait tout le bagage. Mais au moins, nous avons un produit local, nous consommons. Et puis à partir de ça, nous venons prendre l'élan. Et la musique haïtienne qui était une frappe à l'époque, il vient mouvance, ça vient créer, ça aurait les nouvelles générations. Soutmigui barret, Zinglin vient barret, Zin barret ensemble à Soutmigui. Fantôme vient barret. Zinglin vient barret, Fantôme là. Papache tout jazz ça. Donc, il y a une nouvelle génération qui naît. Parce que justement, il y a un vide. Il y a une implosion. Tout est noyé, font baisser. L'autre, nous avons envahi nous. Et puis, la musique là. Donc, on dit que depuis nous ne pouvons pas prendre nous pour nous faire ça, nous supposons faire. L'autre musique a envahi nous. Surtout aujourd'hui avec la technologie. Et jeunesse, là, il y a plus de choix. Parce que je dis à quel on veut ou non. La musique qui fait fierté nous aux Antilles, à l'étranger. Vous ne comprenez pas? Donc c'est musique ça qui fait nous une certaine fierté. Et je me pose Jacob Debarry une question tout à l'heure dans l'interview. Je me dis, monsieur, 62 ans après, ça le comprend de musique, compas. Il dit, c'est une musique. Nous devons répondre très simple. Réponse est très simple. Il va bien approfondir tout parce que femme de Kassab lui-même, c'est le sous grand personne. Et d'où c'est une musique, c'est une musique. Oui, c'est une musique, même si monsieur son musique qui. Est-ce qu'elle grandit après 62 ans? Que... Voilà, monsieur Badab, j'aime bien trop de détails pas que. Pas que libérer mes compas, parce que Zouk là, moi-même, je clair sur le Zouk là, inspire le compas. Pour moi-même. Mais certainement, les Français ou Antillais qui voulaient identité par eux,
Ouais, monsieur Doucon passe une musique tout comme Bouli, Salvador là et Libou comprendre. Gen zouk qui sont musique tout. Ouais, et c'est comme ça le ouais lui même. Nous même pas on dit que et facette culturelle nous sofa. C'est lui même qui ban nous en pile force à l'extérieur. L'autre jour Charles d'avant entre en Haïti. Il n'a pas rien à faire, il prend la rue pour l'acheter tableau. Ah bien. Ça le fait. L'acheter tableau. Il prend la rue pour l'acheter tableau parce que lui songeait que peinture haïtienne non son bagage qui est reconnu mondialement. Donc monsieur assuré que il prend la rue l'app shopping pour l'acheter tableau. Donc c'est pour me dire que culture nous marque l'autre pays. Amen. Partie artistique nous que ça soit la musique, que ça soit la littérature, que ça soit la littérature, que ça soit la peinture, sculpture, théâtre nous. Oui. Parce que nous c'est plus gros outils que nous avons pour nous vendre à Haïti. Plus gros outils. Et attention, hein. Attention. Mon dernier bail m'a dit, moi c'est que même le président ne va pas aider ça, non? Il y a un bail qui était aidé essor touristique là. Il y a un bail qui te permet que un pile acteur, un pile monde entre en Haïti. C'était le fait que vous même qui vivent dans le monde artistique à l'étranger, vous êtes comme un artiste. Par exemple, il y a deux Kardashian. Kim Kardashian, toute famille qui est entrée ici. Ou bien Ben Stiller qui est entré comme acteur. Ou bien Oprah Winfrey. Ou bien c'est deux monde qui est entré. C'est tout simplement parce que vous êtes dit que ton artiste, ton vedette. Alan Vinnoman. Alan Gavek est là. Je ne fais qu'à parler de mouvance et nouvelle génération qui prend naissance dans la zone 88, dans le moment que grand ténor est pris un coup. Parce qu'à chaque fois, c'est ta boîte pour un frappe. Dipi Krasé, Scorpio, a quitté pays en baisse. Et puis, Sweet Mickey paraît, Zin paraît, Zin Glen paraît. Je m'en dis, Sweet Mickey et Zin paraît ensemble. Ensemble. Parce que je ne sais pas si je me disais, je ne sais pas si je me disais avec le premier album Zin. Je ne sais pas si je me disais album, si je ne sais pas. Et puis nous disons, nous allons frapper. Et c'est que nous marquons tant pas nous. Non, ça c'est sûr. Il n'y a pas à sortir de là. Dans Alan, on a dans la génération qui a plus de hits. Ah ouais, non. Ça c'est vrai. Ça, c'est... Et dernière musique dans la génération ça, qui marque, et musique internationale là, c'est Baboudat. Ouais. Ça c'est. Tant pis le bagage. La profite de saluer l'effort et réussite Alan sous le monde musical. Non? Parce que Zen c'était une, mais Alan avec des textes particuliers. Des chants d'amour, des mélodies d'amour avec des textes bien traités. D'ailleurs, nous connaissons qui font mille sorties. Parce que monsieur marqué et tant par là. Et son plaisir pour moi d'évoluer dans le des artistes comme ça. Souvent. Toto beat, on de beat. Et donc, c'est un plaisir, un honneur pour moi pour participer. Le moment ça nous font pile bagaille et puis nous mettons avec ça. C'est une bonne année et puis peut-être après la faute parler encore. Sentez nous un problème Guy, nous là monsieur ou live net côté me fatigué moi non pas fatigué moi même. One love très bien. On monte ça go lumière nous éteint. Bon nouveau jazz qui monte apparemment c'est que on là n'a pas regardé. On faut se monter rapidement.